Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits magnets pour les frigos avec les sets de grands vases de chez Action. Donc, ce sont ces sets-ci ici. Dedans, il y a un carré, il y a un rond, il y a un cœur, bon, il y a deux cœurs, pardon, un rond et un carré que l'on retrouve dedans pour 1 € et des brouettes, je pense, je ne sais plus. Donc, je vais faire le rond ici. Alors, pour faire le rond, d'abord, je l'ai recouvert d'une couche de peinture acrylique comme ceci pour dire de la prêter parce que si on ne met pas de peinture, j'en avais essayé un ici. Regardez ce que ça fait. Les peintures, ben, elles ne ressortent pas bien voilà, comme j'avais envie. Donc, je vais utiliser ici ma petite gel presse comme ceci. Je vais utiliser cette image-ci ici en steampunk. Et je vais utiliser des peintures Amsterdam comme ça ici. Et mon petit... où est-ce qu'il l'a mis voilà. Désolée, ça ici, si vous n'avez pas, vous prenez un petit filet à patate, hein. Ça fait exactement le même effet, hein. Voilà, pour faire comme des petits nids d'abeilles, moi je vais faire comme ça, voilà, donc ici je vais utiliser un peu de peinture orange acrylique, c'est de l'Amsterdam, parce que j'aime bien cette peinture-ci, je trouve vraiment qu'elle est vraiment, vraiment bien. Enfin, pour faire la gel presse, moi j'aime bien. Maintenant, vous prenez celle que vous avez chez vous ou celle que vous voulez. Je pense que je vais remettre un tout petit peu à chouïa ici. Maintenant, vous pouvez prendre une plus grande gel presse. Hein. Donc, j'ai pris de la orange comme ça. Je vais prendre un peu de jaune. N'en mettez pas beaucoup parce que ça ne sert à rien du tout. Vous prenez votre... ici pour l'étaler. Je vais en remettre un peu par ici. Hop, là, j'en ai mis beaucoup trop. Voilà. Je pense que je vais en mettre aussi un peu ici sur le milieu. Et je vais utiliser ben, du bleu. Et je pense que je vais remettre aussi un peu d'orange. Voilà, c'est celle-là. Ici, il y a des numéros dessus, je vois. Voilà, si vous, là, vous les voyez. Si ça intéresse quelqu'un de savoir les numéros des peintures. Voilà, 267, là, j'arrive pas à lire. Et celle-là, c'est celle-là. Et je vais remettre un peu de orange. Juste dans son milieu. Pour faire tout joli. Hop, voilà. Là, je vais retirer ceci maintenant et je vais prendre ma gel presse et je vais venir presser ici tout simplement contre mon petit magnète hein, pour le remplir. Voilà. Maintenant, je n'ai pas essayé avec comment un pochoir. J'aurais peut-être dû. Ça aurait peut-être été joli aussi, je sais pas. J'en ferai d'autres comme ça.
ça. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on va venir lui mettre donc la petite image que j'ai choisie comme ceci. Voilà. Là, je pense que je vais lui remettre un peu d'orange. Parce que je vois qu'il manque un peu d'orange de ce côté-là. Maintenant avec mon image, qu'est-ce que ça donne? Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc ça, je vais les laisser sécher. Je vais revenir avec vous ici. On va mettre maintenant les cachets ici tout le tour. Alors ici, j'ai déjà fait un tour avec un embout comme ça. Et ici, je vais prendre mes petits tampons que j'ai eu sur sur AliExpress, quoi. C'est les nouveaux AliExpress, je ne sais pas. Voilà. Je vais prendre celui qui a un peu d'alphabet ici. Voilà. Et on va venir tamponner pour intégrer l'image dans le truc. C'est chouette. On va faire un peu par là, ici. Voilà. Voilà celle-ci ici. Je vais prendre ici donc dans les taches ici. Si j'y arrive. Cette tâche là. Voilà pour celle-là. On va choisir pour une autre. Ça, ce sont des numéros. Non, je vais pas prendre les numéros, je vais prendre ceux-ci ici. Ça, il suffit d'aller sur AliExpress et de taper la marque du tampon. Et vous allez trouver, vous allez tomber là-dessus, quoi. Bon, je pense qu'il y en a assez. Donc voilà ce que ce petit magnète donne. Ça, c'est le premier. Alors le deuxième, je vais essayer de le coller avec vous s'il me reste assez de temps. Donc je vais prendre mon image, on va le coller ensemble. Voilà. Je prends la colle donc de chez Action. Voilà. Je suis désolée que je tousse.
ce que le deuxième magnète donc va donner. On va ancrer ici tout le tour, hein, pour avoir une petite idée de ce qu'il va donner à son tour. Et quand il sera bien sec, eh ben, je l'ancrerai. Ah, c'est vrai que je l'ancrerai. Je viendrai tamponner, quoi. Je vais noircir ici tout le tour pour que ce soit joli. Donc voilà ce que les petits magnètes donnent en steelpunk avec les sets de chez Action. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse bien fort. Et à dans une prochaine vidéo.